3. Et ce sont encore. Le 5e, Saint Vincent. Passez la première descente, celle de Valentin. 6e place à Thibaut Bernard, 7e Luc Soulier, 8e Frédéric Tagenon. Ouais. Je crois qu'il est guidé un peu. Ouais. Ouais. Il cherche toujours les extrémités comme il n'est pas. Ouais, il a du mettre. Ah, il y a du mettre. C'est 2 semaines. Ah ouais, justement. Voilà, finalement, Dylan Priya finira 2 semaines. Parce que là, il m'en manque un, c'est Johan Séminier. Je pense que numéro 712, je ne l'ai pas vu. Voilà, Johan qui roule avec une moto d'emprunt aujourd'hui. Hein. Eh oui, c'est pas sa Yamaha d'habitude. C'est la KTM de Monsieur Fabrice Pesquier, si vous connaissez. Voilà, qui finalement finit 10e. Voilà notre top 10 de cette première course et distincte de la journée. Sous ce beau soleil de Montendre. Regardez, Romain a fini, il est dans le tour, le numéro 25. Et derrière, le retour en Israël, dans le tour de l'Israël. Et là-bas, nous avons tous nos jeunes. Nos jeunes du 10-30, 10-40. Première année sous la saison, comme ça. Ça n'est jamais arrivé. L'année dernière, c'était Benjamin, c'est pareil. Et bien cette année, comme les Benjamin sont 10-30 minimes, ou presque, donc très peu de 85, bah, finalement, plus de 65, mais vous savez que les 85 sont de retour au championnat de la France tout l'hiver. Ça, c'est pas une mauvaise nouvelle par contre. Le l'hiver de France qui ouvre ses portes la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Alors parmi tous ceux qui sont là aujourd'hui, Eliott, Sergio Rollo, Léo Pérez, Teddy Krishman. Ben oui, il vient de faire un 5 et 11 au championnat d'Europe là. La première étoile dans le Slovénie, il y a quand même tout juste. Donc voilà. Donc ça c'est pour les 65 pour dimanche prochain en hiver. Et c'est les 85, Paul Lamorlec, Vicky Bruce, Axel Louis et Pablo BTG seront les représentants de notre ligue Poitou-Charentes. À 14h40, et entre les deux, là, on a une réflexion de piste. Alors, je disais donc pour TJ, eh bien, déjà 14e de la Coupe du Monde l'année dernière. Il a plutôt très bien commencé le championnat d'Europe, même si, bon, ça lui manque, il a fini 11e, donc il a fait 5e quand même. Hein. Voilà, c'était en Slovénie, dimanche dernier. Et on verra pour le championnat de France d'hiver, ce sera sa dernière année à Téchy en 65. Ben oui, après, il faudra penser en 85. Il y a des chances que l'année prochaine, le numéro 316, tiens, j'en parle, il est là. Voilà, dans le top 5 de l'Europe, dans le top 15 du mondial, et le numéro 122, c'est Charles Félicin. Alors attends.
Voilà, Karl, il a tout fait. 8e du 65 l'année dernière, et lui, il s'assure en 85, et là, en 2017. Et là, il est en train de faire une dernière année en 65, et j'espère que ça ira bien. Ça devrait y aller. Alors, la place 76 représente notre place Covinois, et notre numéro 122, et bien lui, c'est Goupil. Et on voit Jean-Louis Pérez derrière lui, le numéro 211, le 6e 65, il lui est resté d'ailleurs, de l'année dernière, il a 11 ans, il est. Et le numéro 211 représente notre club algérien, l'actuel donc 3e. Donc 1 PJ, 2K, 3 Léon.